Les acteurs de la société civile et les associations environnementales se sont réunis pour discuter de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les changements climatiques ont été identifiés comme un défi majeur dans le développement des pays, avec des répercussions considérables sur l'agriculture. Bien que l'Afrique émette relativement moins de gaz à effet de serre, le continent en subit néanmoins les conséquences les plus sévères. C'est un reportage d'Oumar Ndiaye. Pour la quatrième édition de la caravane ouest-africaine, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne, une lutte commune. La maison de la culture de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, a abrité des panels en lien avec le thème central de la présente édition. Le changement climatique, l'un des défis environnementaux, agricoles et économiques en Afrique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre était au centre des discussions de la société civile défenseur de l'environnement dont le thème est le changement climatique, enjeu majeur du développement des pays. Cette caravane est une opportunité pour notre structure parce que nous avons été panélistes, nous avons partagé notre expérience sur le rôle et la place des femmes dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Donc je pense que c'est une bonne initiative et ça permet aux gens de partager des expériences et de comprendre ce que d'autres font dans d'autres localités et comment en synergie d'action nous pourrons travailler à lutter contre les changements climatiques, à faire le plaidoyer pour en tout cas la préservation et l'utilisation de la semence paysanne. La caravane ouest-africaine est une occasion incontournable pour la centaine de participants. La conférence a permis aux acteurs des associations de recommander des stratégies écologiques.